أنا لست صوفيا أطوف بقبة، أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي، ولست يهوديا ولست برافضي، والرافضي في الأصل كالمتهودي. أنا لست تكفيري ولست بخارجي، يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي. Donc voilà pourquoi on vous dit que l'imam Malik nous avait dit « N'envie pas celui qui n'a pas été éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Sache que s'il n'a pas été éprouvé, c'est que Allah ne lui veut pas du bien. Car comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, les plus éprouvés des gens, ce sont les envoyés d'Allah, les messagers et les prophètes. Puis le plus pieux, puis le plus pieux. Plus tu seras pieux et plus Allah t'éprouvera. Parce que si Allah t'éprouve, c'est qu'il t'aime. Pourquoi pensez-vous que les plus grands de ce monde, les plus grands en puissance, en richesse et tout, ben ce sont tous les sataniques, les lucifériens, les athées, les juifs. Allah les laisse prospérer dans cette dunya. Il ne les éprouve pas trop. Il n'anéantit pas toute leur richesse, toute leur fortune, toute leur puissance, toute leur notoriété. Alors qu'il n'a qu'un mot à dire pour que cela se réalise. Et comment ça se fait que nous, les musulmans, on est éprouvés? On a des difficultés, on a des épreuves, on est touché par la maladie, on est touché par les pertes de travail, on est touché par la mort de nos proches, qui sont morts jeunes. Parce que Allah nous aime. Ne pleure pas, ne sois pas triste. J'avais fait un petit rappel sur Instagram. Ne sois pas triste, ne désespère pas. Si Allah t'éprouve, c'est un bon signe. Ne te dis pas pourquoi Allah m'a éprouvé. Pourquoi est-ce qu'il ne m'aime pas? Est-ce qu'il me déteste? Pourquoi est-ce qu'il s'acharne sur moi? Non, au contraire. Réjouis-toi, Akhi. Réjouis-toi, Urti. Si tu es éprouvé, c'est un très bon signe. Parce que lorsque les koufars sont éprouvés, c'est parce qu'Allah cherche à les punir ou bien cherche à les faire revenir de leur ténèbres. Mais lorsque Allah veut nous éprouver, c'est soit parce qu'il nous aime et qu'il veut nous élever en degré, comme l'a dit Cheikh Mohamed Bazmoul, soit parce qu'il veut aussi nous ouvrir les yeux afin qu'on revienne de nos erreurs, qu'on revienne de nos péchés, et par cela il nous élève encore en degré. L'affaire du musulman n'est qu'un bien, comme l'a dit le messager d'Allah. S'il est touché par une épreuve et qu'il patiente, Allah le récompensera, Allah l'élèvera en degré. Donc son affaire n'est que bien aux croyants. Il n'y a que réjouissance et plaisir pour lui.